Alors bonjour, bonjour à tous et j'espère que ça va hyper bien. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 5 septembre, tel que je venais de le dire au cours de ma présentation précédente au niveau du champ voilà du soja. Ici nous sommes au niveau du maïs parce qu'aujourd'hui le soja est beaucoup plus une culture de rente. Donc à côté de cela, il faut aussi penser à la sécurité alimentaire. Donc ici nous avons le maïs, voilà tel que vous pouvez le voir. C'est vrai que cette année le maïs nous en avons juste deux, un peu moins de 2 hectares, un peu moins de 2 hectares. Et voilà, pour un début ce n'est pas mal. Je pense que l'année prochaine, tel que les résultats le prouvent déjà, les résultats vont nous encourager à aller beaucoup plus à avancer, d'accord, dans cet investissement agricole. Et donc, l'agriculture, c'est une activité à part entière et qui nécessite des compétences. Donc, on ne se lance pas dans l'agriculture parce que nous avons un peu d'argent ou voilà, parce que tout simplement nous sommes au chômage. Et il faut vraiment s'informer, il faut vraiment avoir les vraies informations, mais également se former. Voilà, lorsqu'on veut réussir dans un domaine, il faut chercher à se former afin de réussir, c'est-à-dire d'avoir les bons résultats en fait. Alors, merci à tous et je profite pour encourager les uns et les autres, surtout la jeunesse. Même si vous êtes dans une activité, vous êtes salarié, il faut penser à investir ne serait-ce qu'une partie de vos revenus. Ce n'est juste qu'une question de quelques semaines. Il y a de cela à peine en moins de 2 semaines, nous avons fait une présentation au niveau de ce site-là. Les maïs, là, c'était à peine. Voilà, la taille, c'est à peine ma hanche. Mais aujourd'hui, vous avez, tel que vous pouvez le voir, ces maïs-là portent déjà des fruits. Voilà. Voilà. Ces maïs-là ont commencé par porter déjà des fruits. Donc, c'est une question de quelques semaines. Vous investissez et vous avez les résultats sans que cela n'enfreigne même vos activités quotidiennes. Alors, merci à tous et on reste ensemble pour voilà, le meilleur challenge. Je rappelle que nous sommes en train de mettre un réseau panafricain pour l'environnement. Donc, en dehors de nos formations sur la transformation des déchets, nous sommes en train d'implémenter l'investissement agricole. Nous allons produire un challenge. Je rappelle que nous sommes en train de mettre un réseau panafricain pour l'environnement. Donc, en dehors de nos formations sur la transformation des déchets, nous sommes en train d'implémenter l'investissement agricole. Nous allons produire plusieurs cultures, et ceci au niveau de tous les pays où nous avons une représentation. Donc, je veux parler de la RDC, je veux parler de la Côte d'Ivoire, je veux parler voilà, de la Guinée-Conakry, je veux parler du Mali, je veux parler du Burkina Faso, je veux parler du Niger, mais également du Cameroun. Et donc, à commencer bien entendu par le Bénin où nous résidons. Alors, on est ensemble et à très bientôt. Et voilà, si ce thème, bien sûr, ce projet, cette initiative vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, en prenant part à l'une de nos formations que nous organisons. Alors d'ici à là, portez-vous très bien.